Ce qui m'a motivé à venir ici, c'est Bolgheri, une grande région mondiale reconnue pour les vins et des cépages bordelais. Pour moi, c'était important de m'intéresser à cette région que je ne connais pas bien. Et surtout, c'est un projet tout nouveau, donc quelque chose qui, à mon avis, n'a pas existé. On va essayer de faire quelque chose d'original. Le potentiel ici est, à mon avis, très important, vu la situation des sols, puisqu'on a pu faire une étude de sol ici très importante. On a des sols avec du calcaire, et ça, je pense, c'est très important, notamment pour le cépage Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, qui, à mon avis, sont les cépages qui vont nous permettre de créer quelque chose avec une forte personnalité. Le millésime Hortense 21 de Tenuta Frattini, qui est le premier millésime qu'on a réalisé, procurait beaucoup, beaucoup de surprises parce que déjà, il y a de la personnalité, du caractère. C'est quand même quelque chose d'assez original et d'assez recherché dans ce qu'on le recherche dans les vins. Et c'est pas toujours sur les vins jeunes qu'on arrive à obtenir ça. Et là, on a senti cette personnalité forte dès le premier millésime 2021. En ce qui concerne Arte 2021, donc qui est un autre assemblage de la Tenute Frattini, c'est une façon de montrer, avoir un autre regard ce terroir particulier que l'on est en train de découvrir. Je trouve que justement il y a plusieurs facettes possibles pour montrer ce terroir qui est une facette très variée et que nous essayons de mettre en évidence. C'est un projet nouveau, c'est un projet. Ce qui me plaît dans l'idée de. C'est qu'au départ, ça part d'une grande vignoble. Monsieur Frattini a une grosse surface. Il avait aussi créé un vin, il avait créé un vin avec une surface plus importante. Et son idée, ça a été de se dire je vais me restreindre sur une plus petite surface pour faire quelque chose de plus subtil. Et ça m'a beaucoup plu parce que je pense qu'on a besoin de se concentrer sur une portion de ce vignoble et prendre les meilleurs. Ça me plaît beaucoup. Parce que l'on va être aussi acteur et aussi spectateur de ce qui va se passer. Il y a un espace qui serait peut-être qui nous perdrait des fois. Ça nous permet justement au contraire de nous concentrer davantage. Sur la philosophie du travail ici, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre l'endroit. Forcément, un endroit doit exprimer quelque chose. Tout le travail dans la vinification est justement de laisser la place au raisin, à la matière, pour essayer pour que nous-mêmes comprenions ce qu'elle nous envoie comme image, comme forme et le fond. Et c'est à nous à comprendre le fond. Moi, quand je travaille, je suis assez spectateur. J'aime bien contempler les choses pour essayer de les comprendre. Et ensuite, dans l'art de l'assemblage, c'est là qu'on a la créativité. La personnalité, elle doit y être normalement, mais on va lui donner une synergie, quelque chose qui va donner en plus beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de fond. Et c'est peut-être quelque chose qui, ici, peut-être ne se fait pas beaucoup et que moi, je souhaite mettre en place avec beaucoup de conviction.